Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Comics en bref. En bref, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Super Sons, tome 1, chez Urban Comics. Super Sons est une série de 2017, écrite par Peter J. Tomasi et dessinée par George Jimenez. Elle met en scène John Kent et Damian Wayne, les fils respectifs de Superman et de Batman. Alors qu'il a fallu du temps à Batman et Superman pour que leur relation soit apaisée et qu'ils fassent enfin preuve d'une confiance et d'un respect mutuel, on ne peut pas en dire autant de leur progéniture. Tout en essayant de cacher leurs activités à leur père, Robin et Superboy vont devoir marcher sur leurs traces. Ils vont faire équipe pour mener une enquête concernant des infractions et des vols de données à LexCorp. Sur place, ils vont découvrir de nouveaux indices les menant sur les traces du virus Amazon, et alors qu'ils sont sur le point de repartir, ils vont être surpris par Lex Luthor. Grâce à l'intelligence de Damian, ils vont réussir à s'échapper des mains de ce dernier et pouvoir continuer leur enquête. Les indices récoltés vont alors les mener tout droit vers la piste d'un jeune garçon touché par le virus, devenu incontrôlable et dont le pouvoir est de se cloner, Kid Amazo. Au scénario, Peter Tomasi nous livre un récit dynamique et de grande qualité. La relation entre John et Damian est parfaitement écrite. Rafraîchissante, humaine et vraie, les dialogues entre nos deux jeunes héros fonctionnent à merveille, ponctués par de petites punchlines bien placées. On se prend d'affection pour ces deux gamins aux personnalités totalement opposées, mais avec bien plus de points communs qu'ils ne voudraient le croire. Le seul petit reproche serait une histoire un peu banale, ne servant finalement que de canevas pour mettre en scène la relation entre John et Damian. Côté dessin, Jimenez est en très grande forme et place la barre très haute. Avec des planches modernes, énergiques et des héros expressifs, il est parfait dans ce récit. Cette histoire reste accessible si vous souhaitez l'attaquer directement. Vous ne serez pas perdu et n'éprouverez aucune difficulté. Néanmoins, si vous souhaitez en apprendre plus sur John et la famille Kent, vous pouvez lire Convergence, Requiem, Lois et Clark et Superman Rebirth, tous disponibles chez Urban Comics. Pour Damian, l'idéal est de lire Grant Morrison présente Batman, ainsi que Batman et Robin, disponibles également chez Urban Comics. A noter que malheureusement, côté US, DC Comics vient d'annuler la série et que celle-ci se terminera au bout de 16 numéros en mai prochain. Mais pas de panique, les Super Sons reviendront dès 2019 dans la gamme DC Zoom. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre côté comics.